Bonjour Paris. Bonjour Paris, on vous invite déjà demain pour notre Sunday of Power. C'est de 16h à 19h à notre nouvelle adresse et c'est votre adresse qui sera désormais permanente. On est au 87 rue de Strasbourg, Saint-Denis. Donc on vous attend très très nombreux et on se voit demain. On se voit demain, que Dieu vous bénisse. Paix et grâce chez vous dans le nom de Jésus-Christ. Je suis Joël Francis Tatou et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La parole déclare, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Telles sont les paroles du Seigneur. Mais pourquoi avons-nous l'impression qu'aujourd'hui, cette réalité n'est pas la nôtre? Nous prions beaucoup, mais peu d'exaucement. Nous prions beaucoup, mais peu de résultats, que ce soit pour nous, ou même pour les autres, ou pour des cas particuliers. Dieu, par sa grâce, par l'aide de son ange, m'a permis de visiter le ciel et de voir dans le monde spirituel les raisons principales qui bloquent l'exaucement de nos prières, mais aussi les clés spirituelles qui peuvent nous permettre d'avoir un résultat, pourquoi pas, de 100% d'exaucement. Je vous invite, durant ces trois dimanches qui vont suivre, que nous avons intitulé « Three Sundays of Power » ou bien « Trois dimanches de puissance », je parlerai sur le protocole divin de la prière qui, prière qui ouvre le ciel de 16h à 19h. En tout cas, venez très nombreux, invitez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur parce que le salut est disponible pour eux. N'emmenez les malades, les paralytiques, les infirmes, les sourds, les muets, quelle que soit leur maladie, Jésus guérit encore aujourd'hui ici à Paris. Ne ratez pas, ce sera notre nouvelle adresse. Dieu nous a donné un lieu beaucoup plus permanent. Enfin, nous serons sur place, nous serons à Saint-Denis. Tous les détails sont sous la vidéo. Ne ratez pas de 16h à 19h pour un rendez-vous divin avec la puissance de Dieu. Je vous y attends très nombreux. Shalom. Bonjour Paris. Bonjour Paris, on vous invite déjà demain pour notre Sunday of Power. C'est de 16h à 19h à notre nouvelle adresse et c'est votre adresse qui sera désormais permanente. On est au 87 rue de Strasbourg, Saint-Denis. Donc on vous attend très très nombreux et on se voit demain. On se voit demain, que Dieu vous bénisse. Hey guys, ça y est, et maintenant c'est le moment de recruter nos musiciens. On est en culte tous les dimanches après-midi et le reste des détails, c'est au-dessus ou au-dessous de la vidéo pour Instagram. Donc, soyez présents, vous êtes musiciens, vous êtes choristes et vous êtes appelés à servir la porte des cieux, c'est votre église à Paris. Donc, soyez nombreux et à très bientôt. Now, as I'm speaking, because the spirit of death is around the life of your father, not only to take his life, but to destroy his. I'm seeing like a company, and as I'm speaking, I'm exactly in Abuja, in Nigeria, and I'm seeing something like number six, and I can see like your name is like Diku. But I can see Dandiku. Dandiku International Limited. Do you know what I'm talking about? Yeah. What is it? It should be a family member. Okay, let me explain to you. Can I just prophesy to you? Come on! So what I'm seeing, I'm exactly in a place called, I'm seeing like six number Cotonou Suites. I'm in Abuja. Yeah. Cotonou Street. I see like WUSE zone 6 Abuja, yeah. FCT, something like this. And I'm hearing like Dandiku
Limited, International Limited. And I can see that it's something like I'm seeing your father like the director of that company. Yeah. Is it true? Yeah. And I'm seeing just after him, like a woman linked to you, Naomi. Yeah, that's my mom. Your mom. Yeah. Wow. Like Funminbi, something like this. Yeah. Funminbi. Yeah, that's a prophète qui a marqué l'histoire, mais je ne comprends pas comment une fin si tragique. Je ne comprends pas comment une fin si tragique. Je me permets de dire quelque chose pour commencer. Le vrai succès, c'est comment vous finissez, a dit l'archevêque Nicholas Duncan-Williams. Le vrai succès, c'est comment vous terminez. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mes frères et sœurs, c'est bien de bien commencer. C'est bien de bien continuer. Mais c'est mieux de bien terminer. On ne vous mesurera pas par ce que vous avez fait au début de votre ministère. Vous ne mesurera pas forcément parce que vous avez fait durant votre ministère, mais surtout parce que vous avez fait à la fin. Jésus-Christ est le sacrifice suprême. Son ministère est plus que le ministère de tous. Après lui, c'est l'apôtre Paul, bien sûr. Mais nous voyons combien il a été fidèle à la mort de la croix jusqu'à la fin. Voilà pourquoi le Père lui a donné le nom qu'il est au-dessus de tous les noms. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce que je vais faire encore? J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, tout ce qui me reste, c'est la couronne incorruptible. Et c'est comment vous terminez. Si vous êtes appelé au ministère prophétique, si vous êtes appelé à être utilisé par Dieu dans la puissance, dans des signes, des prodiges et des miracles, quand Dieu vous appelle, priez pour avoir une bonne fin. Travaillez pour avoir une bonne fin. Je parle au prophète Philippe Moukoma aujourd'hui, on partageait sur l'indiscipline. Seigneur le Kopona, il faut faire un choix. Seigneur le Kopona, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, ce qui est sur mon compte, il n'est pas Seigneur du tout. Azakutu mon compte, pété. Je répète. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, ce qui est sur mon compte, il n'est Jésus n'est pas Seigneur du tout. Jésus doit être le Seigneur de toute ta vie, même dans le moindre détail. Ceux qui disent que la vie chrétienne ça fait mal, j'aimerais vous dire, oui, ils n'ont pas menti, ça fait mal. On ne s'est pas converti pour être riche, ça fait mal. La vie chrétienne c'est porter sa croix et de suivre Jésus avec sa croix. Ça va saigner. À la maison on va te rejeter. Même si on prie, ça ne changera pas. Il n'est pas venu apporter la paix. Depuis que je me suis converti, la vie devient encore plus difficile. Ça deviendra encore plus dur. Mais si tu dois laisser Jésus-Christ, parce que c'est dur, tu dois revoir ta conversion. Ces hommes-là, à l'église de la première ère, on les mettait dans les stades. On les brûlait comme du bûcher. On les mettait dans les coliséums. On lâchait les fauves et les bêtes sauvages. Et pendant qu'on les mangeait, ils chantaient Hosanna, Alléluia, Alléluia, Maranatha, 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 Maranatha. Et l'empereur Néron disait, comment ces hommes peuvent mourir en chantant? Comment ces hommes peuvent mourir avec un sourire aux lèvres? On a bouffé le corps. Les crocs du lion sont entrés dans sa chair. Comprisaient les eaux. Mais ils chantaient Maranatha, Maranatha, Maranatha. Et c'était une joie de souffrir pour Jésus. Quand ils allaient en prison, ils ne disaient pas Bitumba famille. Quand ils allaient en prison, ils ne disaient pas il a manqué de sagesse. Ils avait la joie d'aller en prison pour Dieu. L'apôtre Paul a dit, mais ce que je compte, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et de prendre part à ses souffrances. Ça c'est vrai, avance d'adieu. Aujourd'hui une petite souffrance. Je reste un peu à la maison. Je réfléchis un peu sur ma vie. J'ai besoin du temps pour moi. Si tout le monde dans l'église doit penser à sa vie, personne ne viendra. Nous n'aimons pas Jésus parce que tout ira bien. Nous aimons Jésus parce qu'on a fait le choix. C'est lui le chemin, la vie, la vérité. Donne-moi un amen bien que je t'entende. Amen, avance t'as dit. Avant chanter ah tabapasi nakol, aujourd'hui cette chanson ne se chantera plus.
Si on chante, ça n'a plus de goût dans la bouche. Quelle difficulté. Ma vie doit changer. Je dois avoir 2 millions. Je dois me marier. Je dois avoir 2 enfants. J'aimerais vous décevoir. Tout le monde ne se mariera pas avant l'enlèvement. Il y a des gens qui ne seront pas millionnaires aussi. Il y a aussi des gens qui ne vont pas se marier. Parce que si Dieu doit attendre que tout le monde se marie, Jésus ne reviendra pas. Il y a des gens que Dieu va décevoir. Tu vas vivre sans enfant. Tu vas vivre sans mariage. Même si tu dis sans effet, sans effet. Dieu n'a pas accompli les promesses de tous les chrétiens pour envoyer son fils pour revenir pour l'église. Non. Merci Daddy. Je suis parti de moi dans l'église. C'est vrai. C'est vrai. Merci Daddy. Pourquoi elle a rétrogradé? Vraiment, l'église Wana. Cette église. Hey, non. Tu n'es pas chrétien. Osamu Christo, on doit revoir la conversion. Prophète Jerry, on doit revoir la conversion de beaucoup de gens. Total à battre. Oh, bah bon, moi, l'encasse, bah bon, moi, toi et moi, on a souffert. Moi j'empruntais les costumes sur le prophète Jerry Pembele. J'empruntais les costumes chez Pasteur Paul. Et pas Pasteur Paul. Je connais Pasteur Paul depuis plus de 20 ans. Naibi Pasteur Paul, je prenais ses costumes. Pour porter. Mais nous tous là, on a aimé Dieu. On n'a pas aimé les costumes. Donc, avec un costume ou pas. Tu m'as prêté un jour tes chaussures. C'était en semelle de bois. Tu te rappelles la chaussure? On avait comme cousu autour comme ça. Bah tiens quand on le singa pembe ne boue. Maintenant aujourd'hui je suis son pasteur. Léon Nazan on bat le pâté naï. Tu vois la vie hein? Au moins les bons moyens. Mais on a aimé Dieu comme ça. Tolinganza me bongo. Amen. Pourquoi je riais là? Des fois, on mangeait presque rien. Mais on prêche. Tu as mal à la poitrine, tu prêches. On capace la matière. 60 jours lui-même. Mais on est là. On n'a pas aimé Dieu pour la prophétie. On n'a pas aimé Dieu pour le ministère. On n'a pas aimé Dieu pour la bénédiction. J'aime Dieu. Pour la popularité. N'arrive pas. Si ça vient, ah waouh, salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien. Voilà, en tout cas sur cette vidéo, j'ai voulu juste mettre ma voix, vous parler juste à la fin. Je vous ai vraiment laissé le temps de savourer tout ce que j'avais prévu pour vous. Alors je vous dis déjà merci beaucoup pour la patience, merci pour le partage, merci pour tout, pour vos commentaires, vos likes et tout. Alors moi c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la salle, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent de me découvrir sur cette vidéo. Alors n'hésitez pas, continuez à vous abonner comme vous le faites tellement bien, je vous en remercie. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, c'est-à-dire pour le nouveau, donc prenez vos chaises, vos tapis, vos nattes, vos tabourets, vos chaises en cuir, en plastique, en métal. Installez-vous confortablement sur ma chaîne, il y a de l'espace pour tout le monde ici. On partage beaucoup de choses, on partage des vlogs, des débats, on fait des live débats, on reçoit des stars, on fait vraiment beaucoup de choses. Il faut y rester pour découvrir tout cela et pour ne rien manquer, activez juste la cloche de notification. Voilà, quant à moi, je vous dis bye bye. À la prochaine, c'était Mama Kimia Sara, la queen de la SAP. Oh yes, bon week-end à tous mes Bayanga. On est ensemble. À demain.